Après une escale technique dans le port de Durrës, nous quittons l'Albanie pour rejoindre l'Italie. Je prends la suite de Pierre, qui vous a guidé de Puna à Kotor, afin de vous accompagner, pour la suite du voyage, jusqu'en Sicile. Une traversée en principe sans problème, avec dès le départ, un bon vent arrière. 189 000 nous attendent pour rejoindre l'Italie dans 36 heures, et atteindre Crotone demain, en fin d'après-midi. La côte italienne commence à apparaître au loin. Crotone. Arrivé en fin d'après-midi, plus tôt que prévu, avec 10 heures d'avance. Fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ, Crotone est devenue, en peu de temps, une riche et puissante ville. Son histoire ancienne en fit le siège de l'une des plus importantes écoles philosophiques de la Grande Grèce, celle de Pythagore. Le château Carlo V est le témoin d'une période successive de l'histoire de Crotone. Ses origines remontent à l'an 840, où il fut construit sur l'ancienne acropole grecque, pour se protéger des Sarrasins, mais il doit son nom à Charles Quint qui le restaura en 1541.